Ça va bien? Est-ce que tu n'as rien? Oui, je crois. Je veux dire, ça va. C'est juste un peu... C'est pas très clair. J'ai un peu... Patricia, profitons-en, les filles nous regardent. Oh, Mathias! Patricia, comment ça va? Bien, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te rendre quelque chose qui t'appartient. Ah? Oh, super, mon journal! Tu l'as récupéré, Mathias! Patricia, qu'est-ce que tu fais? J'allais juste me prendre un verre d'eau. Pardon, Mathias, je t'ai fait peur, pardon, non, je suis désolée. Oh, excuse-moi. Non, non, t'inquiète, c'est rien. Merci beaucoup, petit frère adoré, de t'être souvenu de mon anniversaire du fond du cœur. Parce que j'en ai oublié toutes mes préoccupations. J'ai tellement de problèmes. Inutile que tu me fasses l'inventaire de tes problèmes. Parce que je suis déjà au courant. Au courant de quoi? De tout. De quoi? T'es pas folle en réalité. Et Antonella dit qu'elle peut... Qui t'a raconté tout qu'elle ça? Qu'elle est handicapée alors qu'elle peut marcher. Mais de qui tu le tiens? Ta fille. Je t'adore, mais je dois te dire que c'est pas bien ce que tu fais. Ni pour toi, ni pour tes gosses. Bah, je m'en rends bien compte, mais je ne sais pas quoi faire. On peut trouver une solution, seulement il faut la chercher un peu mieux. Mais je n'ai pas d'autre possibilité, pas une Phyto, tu comprends? Tu peux le faire, Blanche, tu es une femme très courageuse. C'est difficile pour toi parce que parfois c'est douloureux de savoir que la personne qu'on aime va nous rejeter. Mais tu sais, tu vas t'en sortir. Merci beaucoup, mon Phyto. Merci de continuer à croire en moi malgré tout. Tu me redonnes confiance. Tu es génial. Elle est belle, hein? Elle a les yeux rivés sur nous. Elle flirte avec moi, pas de doute. Eh, mais Nicolas, tu t'attends à quoi, au juste? Tu vas peut-être rien tenter, hein, vautour? Qu'est-ce que t'en dis? J'y vais? Lance-toi, attaque. Tu veux me voir comme en action, un pauvre. Allez, je montre les gros. Lance-toi. Allez, allez, debout, allez. Bon, bah, j'y vais. Un problème? Non, pourquoi? Pour rien, c'est juste que tu ne m'as pas lâché des yeux. Ah, c'est toi qui as les yeux rivés sur moi. Mm-hmm. Tu me fais rire. Tu es à mourir de rire, je suis sérieux, à mourir. Toi aussi, tu me fais mourir de rire, je te jure. Ah ouais? Ouais. Tu sais quoi? Arrête ta comédie. Je sais que tu craques pour moi. Un petit arrêt. Non, toi arrête. Parce que j'ai pas de temps pour toi. Ah non? Non. Tu sais, ton petit sourire en coin, j'adorerais le faire disparaître d'une paire de claques. Mais tu sais, j'aimerais que tu me le fasses disparaître, moi aussi. Et avec un baiser? Oui. Tu n'es qu'une gamine, et puis il commence à se faire tard, et papa et maman vont se faire du souci, alors rentre à la maison. Hein?